Mesdames et messieurs, bienvenue. Merci de suivre Critique Info, deuxième partie. Pas de marche hier à Kolwezi, Forum des As qui en parle. Félix Tshisekedi n'étant pas membre du gouvernement, c'est à Sylvestre Ilunga, si faute y a, de rappeler à l'ordre le VPM Tunda. Le CG Joseph Ikoli affirme avoir les mains propres et exige des preuves pour un prétendu détournement de 1 million de dollars aux mines. Je ne sais pas pourquoi, chaque fois qu'on parle des mines dans mon pays, j'ai le document qui me revient, le document de Raphaël Mushila Ngoï. Ça me revient toujours, ce rapport important. Mais s'il y a des secteurs où l'impunité est faite chère, c'est dans le domaine des mines, dans le domaine de la douane, dans le domaine des régies financières, dans le domaine des frontières. L'impunité est à son comble là-bas. Là-bas, l'impunité enseigne, est devenue norme. Les gens se posent des questions, mais pourquoi Fatshi et Kabila, le FCC et l'UDPS, pourquoi Bazoyo Kanate? Bakouki Koyo Kanate, parce que c'est deux modèles totalement différents. Bakoyo Kanaka Ate. Je peux vous garantir que Bakouki Koyo Kanate, c'est deux modèles contradictoires. Je peux vous illustrer des exemples. Ndeko, vous avez contrôlé un pays pendant 18 ans. Le secteur minier est venu pour produire tout l'argent du pays. Mais le secteur minier à lui seul, tout l'argent que le secteur minier d'abord faisait entrer, il y a un autre tenu dans le monde dans l'État. Et je le dis sous rapport et à mes rapports internationaux. Je le dis, le secteur minier, il y a Mboka Oyo, est l'un des éléments qui divise les deux clans. L'un des éléments qui divise les deux administrations. Parce que ma approche Nango et ma approche Tabango Mbale yande de mon côté. Leurs approches sont contradictoires. Mine ou là, qui sont qui ont côté ça, je prends un exemple. Ceux qui ont côté ça, 7 milliards. Ceux qui ont côté ça, 7 milliards. Ceux qui ont côté ça, l'État, c'est peut-être 1 milliard ou 2 milliards. Autour de Tikalaki, il y a un groupe de mafia, ainsi de suite. Ça, c'est un élément. Il y a un exemple. Deuxième élément. Au lieu que Mbongo cotise à 7 milliards, peut-être que notre potentiel est dans 22 milliards, 23 milliards, 24 milliards. Parce que ce qu'on peut si j'ai Camino, on peut si secteur minier, na biso, na bato ba yebi mixala, na bato ba yebi ba kambo, neti ba mushila, ba bangoy mushila, pardon, on peut si bango binouana, on peut si d'autres Congolais experts en la matière, mais qui ne sont pas de parti politique, on peut si bango yango, observer bango dans une année. Parce qu'il y a des. Vous savez, nous avons des savants congolais, des génies congolais. Sur Pessi Bangoka Kobibon, mine, secteur de mine, Yangoyo. Trouvez-moi l'argent, Namboka Oyo. Mais mesdames, mesdames et messieurs, une année et là et belé d'abord, ils vont révisiter certains contrats léonais. Bako révisiter certains contrats stupides. Oh Mboye Mouchi la lobby est là un contrat stupide, stupide. Oh que Mboka Mote Gondima. Ndeko pas signé un contrat à 200 ans. Il y a 100 ans. Bon, on a un contrat modèle dans le pays. Le pays signe un contrat avec des étrangers pour 100 ans d'exploitation. Attends, on a ta bradage, Django. A ta bradage. Bozui, mine, Nabino. Bote qui un carré minier. Tu peux bote qui est là comme encore à 2 millions. Mais bon, qui s'en occupe, bateau, mine, bote qui est là, bote qui est là, milliard. Ceux qui m'ont pèsé secteur de mine, na bateau ba yebi. Je répète sans être contredit. Ba mouchila, wana ngoye mouchila, wana. Vous dites, monsieur, viens. On sait que tu n'as pas besoin de gérer la Jekamine Toyebi. Depuis que on a besoin de gérer secteur minier Toyebi. Mais est-ce que tu peux nous dire ma clé de sortie? Est-ce que vous pouvez s'habiller sur ma voie de sortie? Comment on fait pour nous en sortir? Comment on fait pour redorer l'image Yamine Nabiso? Pour que ton commandant, na États-Unis, na exploitation mine na ye. Pour que tu commandes en Australie, tu commandes en Chine, tu commandes en pays, tu commandes en minerai, tu commandes en produit, tu commandes en minerai, et pas en bango. Tu commandes en mouchila, tu commandes en moussoussou. Ils vont vous dire, hein, mes frères congolais, la solution est moko. Révisiter certains contrats et appliquer. Bon, révisiter le contrat Nabino, bon, revoir le code minier Nabino, parce que pour moi, c'est un code bidon, un véritable bidon. Code Bozanangwana, bon, bandé l'ico.
code minier wana ce qui vous bandez liango vous respectez ba norme vous tikimboka na bino ouvert na bato nyoso ba ya de la manière la plus claire que possible bas ba usine na bino na ba entreprise na bino neti je camino na bo remodeler yango bo redynamiser yango bo rezongisi yango na lolenge o ezalaka bo pesi yango la force la capacité na ba mission na ba objectif mosusu o ezalaki yango avant ya liboso bo zongse libango bo tieli bo na système à performance na ba système ya ba objectif c'est fini des assignations claires et nettes l'affaire est close. Vous avez réglé l'affaire de la, du côté Yamine, mais pas seulement. Boké pour rajeunir l'équipe pour le diriger. Vous rajeunissez l'équipe. Le matériel, tout est là qui est amorti. Vous réinvestir dans le matériel. Vous avez ici ma machine Yassika, ma camion Yassika. Ils ont dit bien. Mais je ne vois pas pourquoi vous aurez des problèmes. Ce qui est possible, vous développez une politique qui a qu'à produire. Disons, il y a qu'à produire ce qu'on a sur place. Il y a qu'à transformer, oui, la politique de la transformation. Vous décidez que vous transformez ce qui est dans la mingité, ça ne sera pas trop demandé, au moins à 80%. Parce que la transformation sur le sol permet à ce pays-là de fixer son propre prix. Bino de beaucoup fixer prix Nabino et vous allez contrôler les marchés. Or, en créant Babilo Koana, usine la transformation, vous allez créer des entreprises connexes et beaucoup créer Bamisala et Bélé et vous avez donc créé la richesse, vous avez résolu le problème du chômage, vous avez résolu le problème de l'insécurité, Makambo et Bélé. Vous devenez un pays qu'on peut compter, sur qui on peut compter. C'est quoi? Il faut pas faire de la magie. Vous n'avez qu'à demander aux experts de venir et les experts viendront. Problème d'Abango et Angouana. Lorsque Fachi dit. Oh non, mais le gars veut nous tuer. Parce que Bango, en réalité, il y a 6 mois, il y a 7 mois, il y a 10 mois, il y a un bébé, il y a une entreprise. Au Congo, il y a des familles, des gens qui sont tellement chanceux que Kobota Manaye a un carré minier. Il y a un carré minier, 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 il y a un carré minier. Alors, il y a une politique qui est kleptocratie. Il y a une l'État. Kakocratie. Il y a une gouvernance qui est bazali. Vous pensez vraiment que dans le monde, nous n'avons pas des Congolais experts en mine ailleurs? Vous pensez vraiment dans tous les carrés miniers du monde, dans toutes les entreprises minières du monde, n'y a-t-il pas de Congolais? Et bah Congolais avait bah bah kotangaka bah mine bah kotangaka bah mine à l'étranger. Mais c'est des gens qu'on peut appeler. Bah t'as beaucoup bien bango. Il y a des Congolais qui ont été fatigués de la politique à mine à Bino. Bah qu'est-ce qu'on a mangé banda? Ils sont là en train de travailler ailleurs. Et bah y a quand même la Congo. Ils sont là dans les départements. Bah y a beaucoup de monde en Congo. Bah t'as Bino bah on s'écrabille mais ces gens ne sont pas sérieux. Selon ton tiki secteur, on m'a dit pas c'est parce que mon kanda yango an. Tant envie qu'on touche le nœud du problème est dans le niveau an. Le nœud du problème est dans le niveau de la mine, d'abord. Deuxième nœud du problème est dans le niveau de la douane. Nous avons dit que 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 nous avons. À un moment donné, lorsque la nouvelle administration entre, elle dit il faut qu'on arrête ça. Et tombouki si bango. Et le côté c'est un gros pas, c'est-à-dire qu'il va donc on va perdre Kasumbalesa parce que Kasumbalesa va donc c'est un gros dans l'État congolais, la vigilance à l'État congolais. Balingi va kagaba marché connect sur. Alors les gens n'en reviennent pas. Ils regardent les opportunités au Bongo Bazoka. Ils regardent l'argent facile au Yakawana. Ndeko, ceux qui 15 millions de dollars mutekota kana douane par jour, disons, ceux qui potentiellement Bongo kota kana douane. Et cause à la 20 milliards de dollars, rassurez-vous que de la même manière, la mine, Mboka, il aura peut-être 2 milliards. Ou il compte un trésor. Or, Mboka, il a un trésor 2 milliards. Voilà, pour des comptes, ça, Michel, il a un milliard de mon ami. Autour, il y en a volatilisé. Mais déjà, avant que même 2 milliards ne compte, on a déjà pris à 80% de Mbongo. Et Kabola mine a battu. Et battu, tout, il y a un bibango. Les inspecteurs judiciaires, il y a un bibango. Les parquets, il y a un bibango. Les commerçants, il y a un bibango. Donc, c'est un vol à ciel ouvert. Moutou, tout, il y a un bibango. Na Kasumbale, ça va y a un bibango à l'État de la manière la plus scandaleuse que possible. Dans le marché, il y a un marché bilanga. Et ça, kawana. Marché, on les a depuis très longtemps. Procéder faire les makawana, les familles sont enrichies dans le vol.
dans la tricherie, dans la mafia, et c'est tout un groupe et ça les étrangers, bayaka, part dans le vol. Est-ce que vous imaginez le modèle? Bango moko bazo téléme la modernité, bazo téléme la yango. Quand on dit tongi toi la machine moko yango de la centrale baboyi. Otete tongi moko tout kaka abo. Ça marche pas. Demain il y a péage wana. Mes frères, toutes ces choses yango déjà problème. Le problème entre batwa kala na batwa lelo et dans la survie politique et batwa kala. Bazo bitu na kobika negenini. Aso bemba kan na trou, c'est des gens qui n'ont pas de profession. Bah la profession moussouté. Est-ce que beaucoup imaginez que M. Bitakura, pour ne citer que lui, j'ai beaucoup de respect pour lui, et d'accord pour illustrer, à Siligate. Bah, ben, M. Bitakura, le parquet. Bah, tout n'y est, M. Profession, à l'obi, ministre honoraire. Mesdames et messieurs, mesdames, à tabino, mon copain, on a beaucoup de modèles lignons. C'est quel pays? Ancien ministre. Né profession à Moutou. Donc, pour certaines personnes, la profession, c'est vraiment politique, la profession. Donc, politique, profession. Sa profession, c'est ça. Donc, c'est des gens qui n'ont pas de métier, qui ne connaissent rien d'autre. Sauf que le monde dit, bon, la politique, ils ne peuvent plus rien faire. Il y a un monde qui poussera, bon, bah, il bat. Il y a un monde qui poussera, bon, bah, corrompre. Il y a un monde qui poussera, bon, bah, se faire acheter. Il y a un monde qui poussera, bon, bah, c'est là-bas qui ne peut détourner parce qu'ils n'ont pas de moyens. Ils n'ont pas de moyens de vivre en dehors, Yawana. Il n'a jamais fait quelque chose dans la vie. Oh, la fin de la vie, il n'a pas fait la vie, Yawana. Moi, au moins, je suis journaliste. Je peux être aujourd'hui promu ministre de la justice, topé de la communication, ou bien on peut faire de moi un premier ministre dans ce pays. Je suis journaliste, je suis avocat, je suis éleveur, et puis je suis fermier. Il y a la nuance dans les deux. Donc, au commissaire d'un premier ministre, ce n'est pas un problème. Au commissaire d'un ministre, ce n'est pas un problème. Je n'ai pas le temps d'aller voler. Parce que j'ai ma source est revenue dans les Aralango déjà. Mais supposons qu'il y a un salaire et l'autre côté, Naïbi et l'autre côté, je ne sais rien d'autre faire. Il y a un moment où il y a la politique, Baïbi, 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 tant politique que c'est lui, Bétéli, 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 au point que comme il y a un salaire AVC. On me dit, pourquoi il y a un salaire AVC? Le professeur Njoli appelle ça la mandoucratie. Et l'autre, il y a un dikila. Ah, sa politique à Poalia. C'est ça le plus grand problème de notre République. Si vous battez un modèle, il y a un salaire AVC. Oyoka qui est notre ancien ministre, alobi ya na ya bisakaye, mbokoyo. Ba mbongo a l'état balia kaka soki ebeli. Mbongo a l'état balia kaka ngo kaka soki ebeli. Donc pour aye, il y a des bons vols, il faut il y a des vols ya malamu. Ba mbongo mzo ya l'état, il faut relier ngo soki ebeli, c'est-à-dire soki mbongo le créer le problème té. Pourtant mbongo ya l'état nyo so créer aka problème. Ce créer problème c'est que bino de bokomi na niveau koyiba makasi ko le kama mécanisme bino botia ko kanga tricherie. Boke ngo musika té. Le voleur devient plus intelligent lorsque le système de contre-espionnage ou de contre-vol est à ma casse. Il est à ma casse colique. C'est comme ça, ce n'est pas que vol est à la zone de l'île. Non. C'est ça notre pays. Alors, tant que vous avez créé le cas, il y a des problèmes. Ils ne peuvent plus vivre. Et dans le Congolais, il y a des gens qui ont été courantés, mais ils ont été courants chaque jour. Ce sont eux qui disent aujourd'hui que la régie des eaux, ils ont foutu à mon côté. Mais comment vous voulez que la régie des eaux trouve de l'eau, trouve de l'argent? Ceux qui sont abonnés, ils ont foutu à maïté. Parce qu'il y a un général, parce qu'il y a un colonel, il y a un monsieur qui est abonné, il y a un kingan qui est abonné. Alors, le fait, cette idée, il y a un paternalisé Mboka. Il y a un paternalisé Mboka. Allez-je dire, vous n'allez pas évoluer, vous n'allez pas avancer. Le secteur est bon, Mboka, il y a un secteur, il y a mine. Dans le secteur, il y a douane. Voilà, écoute, c'est le système où on a la régie financière. À l'époque, il fallait qu'il y ait une régie financière, il faut aller à l'équipe Yamoutou, cousin Yamoutou, camarade Yamoutou, pire petit Yamoutou. Je vais recommander. Ce n'était pas des hommes et des femmes qui avaient une idée à côté de Mboka. Non. T'as là-bas, tu as la régie financière. T'as là-bas, DG Nabango, DG à régie financière Moko. T'as là-bas, Mboutou, à la porte. T'as la vie Nabango, où on a la carrière Moko. Bande d'économie, c'est pas un yo, quoi, mais pas un mon appel. Si Namboka, on va s'en aller à la douane, on va s'en aller à l'OCC, on va s'en aller à l'entreprise, on va s'en aller à l'État. Mbongo, comment on dirait la DG Kakabango Nabango? Bakabango Nabango, jeton Kakabango Nabango. Jeton de présence, il y a autant d'argent. Bapakebo, autant. Mais peuple, on va s'en aller à travailler wana. Bah, de l'autre côté. Allez voir la qualité de vie d'un agent de l'ONATRA. Comparez cette qualité de vie d'un DG à l'ONATRA. Bino Mbongo, on a une différence à ma casse. Et car il est tellement frappant que, beaucoup imaginez, l'autre ne manque de rien, l'un manque de rien, l'autre manque de tout. Alors, quand il y a juxtaposition et enfer dans le paradis, Bolingi est comme, et Ozara Mabe,
mboka na biso ebebi na kote wana likambo yo bango bazo bunda ezala bato ya kote yo ezala bato kote ba ko bunda pona mbongo bato moko balingi bazana na mbongo balingi ba perdre mbongo te mais babuyi ko sala musala. Ils refusent de travailler. Mais ils veulent avoir quand même l'argent. C'est-à-dire, Mbonga Moïbi. Mbonga Moïbi. De troisième élément. Bah, il dit que l'avènement de Fatih est pour le Kangaba marché public. Et là, on a dit que trouble dans Moutou. Dès que le marché public n'a pas été beaucoup imaginé que Mbonga est ici. Vous avez appelé ça un élément. Bachaki Beseko. Pour contrôler le circuit financier, contrôler le marché public, octroi nango, ainsi de suite. En principe, la loi sur le marché public, il faut être à la loi que vous allez respecter pour permettre l'émergence de Mboka. Nous avons passé un exemple. Nous avons une entreprise, la Congo Buzz. Congo Buzz a l'ingi à entreprise, tout ça est une entreprise de l'État. Ou même non, mais toi, l'État dans ça. L'État a besoin de tout le monde pour faire les communications. Tout le temps, il y a des peintures, il y a repeindre marché, par exemple, dans ma cité. Prenez l'exemple que l'État congolais veut créer un marché, une nouvelle cité. Alors, on peut s'en faire un peu. Enfin, à lancer offre, n'est-ce pas? Pour que toutes les entreprises ont fait un dakou, une maison préfabriquée. Toutes les entreprises ont une expertise. Aujourd'hui, nous avons des entreprises. En 7 jours. 7 jours. Quand on a Facebook, on a ma maison en 7 jours. Totalement dans ma baya, dans ma nzete. Il y a coulé béton, il y a des makambu, et puis il y a créé une structure 7 jours. Monsieur l'habité, il y a dans 21 jours. Monsieur l'habité, il y a capacité dans 36 jours. Il y a dans 42 jours. L'État congolais apprécie. La commission de marché, il y a pas de marché. L'expertise. Oui, entreprise Jérémy Construction, Yaka. Entreprise Homo Construction, Yaka. Entreprise Congobes Construction, venez. Tout le monde. Tout le monde a dit que ça va être un talanga na tonga ki kolozi. Talanga na tonga ki na ville tel Dar es Salaam. Talanga na tonga ki na bo. Talanga na tonga ki na bo. Ba retour na siko bino tout tonga ki ona c'est vrai. Ba na ni pe ba na capacité ya ko produire ya ko préfinancer yango. Non, Jérémy a habité ngana préfinancer tenga ça la bonté. Om ça habité ngana préfinancer tenga ça la bonté. Mais moi ko habité, moi je vais préfinancer. OK, préfinancer. Bo ba ni ko préfinancer. Ba sale libino musala na ba condition yango ya kitoko. Nde ba benga yango ba marché public yango wana. Oyi salaka que ba pesi bino marché. Tout le marché a nettoyé la présidence, ma PCB no marché. Tout le marché a fourni le pays, mon ordinateur, ma PCB no marché. Mais ma PCB no marché, de gré à gré, ma PCB no marché, des volontaires à mouta, c'est pas la PCB no tete, il faut me compétir. Le gré à gré, c'est à la Karango. Et pour qu'on puisse marcher dans la compétition, c'est à la Karango. Mais c'est quoi, ce qui est bino, c'est comme il y a de la famille, nabino. Et si m'bate, il y a un bon débat qui est le principe de Namboka. Namboka, il y a un ministre, il y a Habitat. Moi, non, non, moi, quoi, moi, si il faut ça, l'entreprise, il y a un nettoyage. Comme ça, il y a un marché, on a nettoyé l'entreprise. Il y a un entrepreneur, il y a Malonga. Il y a une usine, il y a Malonga. Il y a une entreprise. On va foutre la taxe, na impôt. Moi, je marché, on a exacté. Pour le ministre, on a compté, après, si vous avez un marché. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas. Ce que vous avez dit, c'est que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez transparent. Et tiens, mon trouble. Mais nous avons dit que 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 nous un général de l'armée congolaise, général de l'armée congolaise, à Botola Bisso Ndako, général de l'armée congolaise, jusqu'aujourd'hui en fonction. À Botola Bisso Ndako, pour Sepeli, ça fait 10 ans. J'étais encore tout petit quand on nous chassait dehors. Parce que mon père, c'est-à-dire le grand frère de mon père, tout son malheur, c'était d'avoir été Moutou ya côté Kuna. Bah, Kangiye, il fait 8 ans en prison, bah, libéré. Il finit sa peine, Babimi, la cour est décidée d'arrêter Nango, va libérer Ndako parce que la maison n'avait pas de problème. Mais un général a estimé qu'il ne fallait pas. Général, il nous a dit ceci.
Allez partout où vous allez me retrouver. Ce général-là, jusqu'aujourd'hui, il a notre maison, il le dépanaille. Ndakunabu fait un joli parc. Puis le loi nango. La volonté n'a pas ses pénis. Alors, pour la vie, il modèle. Ce que le Congolais est belé dans la situation modèle. Et tout le général, on a fait la gare depuis qu'il. Mais qui a déjà pris soin de la gare général qui inquiété? Qui a déjà pris le soin de la. Parce que c'est là qui entre Bango na Bango. Il y a aucun entre Bango na Bango. Mais il y a un autre pas n'a pas de quoi policier, n'a pas de quoi militaire, ou il y a l'icolo. Je n'en ai pas. Non, ça n'est pas. Vous êtes en train de regarder, vous constatez. Vous faites des rêves. Vous êtes là, tout le monde. Imaginez que vous avez commis ça, la greffe. Vous avez commis même la cour. Le juge, oh, après la tribunal, arrête, lui, mais papa, n'a pas la ni le souci. Oh, justice, ça là, ça la salit déjà. Arrête, Yangoyo. Mais parce qu'il est général, il s'oppose. On fait comment? C'était le pays dans lequel on est. Alors dites-moi un peu, si on peut faire ça à des militaires. Parce que mon oncle est un colonel. Bon, si on peut faire ça à un militaire. Mais dites-moi un peu. Et vous allez boni dans la civile. Bangamba baza combien au banda kuna bongo ba botola. C'est tous les jours que moi je reçois ma message à Bongo. Ndako mutu ba botola. Ndako mutu ba botola. Pour moto aza mokondi. Aza mokondi. C'est quoi le coin de la ki bongo pendant 20 ans. Et d'aki le quoi modèle de vie na bango. Ko botola ka ba mpango bato. Ko botola ka ba ndako bato. Ndekonabiso nani, kulutu nabiso nani, ya Gabi. Allez, lui, combien de fois, Nambokao? Combien de fois lui a pleuré? Lui, au moins, politicien. Bah, donc, c'est les bandas qu'on a. Bon, Nabiso, bah, alors. Vous savez ce que c'est de vivre dans une famille, Nabino, la nuit, c'était un jour, la nuit, on nous a chassés, étudiants, au campus. C'est-à-dire, ils ont le quoi, tu vis en Mbandaka, tu es là, tu es né à Goma, bien sûr, mais tu as évolué en Mbandaka pendant très longtemps. Et première fois, on a eu un kin, tout le monde qui référence, on a eu un kin, 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 on a eu un. Mais un jour, on vient, on vous chasse. Vous n'avez aucune idée du préjudice que vous avez, quoi, que vous ressentez dans votre. Vous allez où? Parce que là, c'est la débandade. Tout le monde a eu un kin, on a eu un kin, on a eu un. Vous, vous faites comment? Et ça fait 10 ans, pas 10 jours. Pas 10 mois. Ça fait près de 10 ans, jour pour jour, que nous vivons cette injustice dans notre chair. Est-ce que vous comprenez le modèle hein? Et quand tu entends les gens t'appeler Christian, tu te dis, waouh! Mais on est combien en votre Bandakou? Alors, quand le président actuel vient à l'obité, souvenez-vous, hein? Mesdames, vous n'avez aucune idée. J'ai pitié pour le président actuel. Il en a eu pour lui. Ce n'est pas une priorité. Au côté priorité, Tewana, priorité, c'est Batoubalia, Batoubamela. Mais Batoubalia, Batoubamela, n'a pas d'accoute. Bon, vous voulez, vous voulez, Libanda. Qui peut manger et boire calmement alors que sa maison est arrachée? Les fruits de ses efforts, il y a plus de 20 ans. Batoubamela, on a 30 ans. Et un jour, un général estime que, il y a un gars. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez faire un gars. Est-ce que vous pouvez imaginer le modèle? C'est ça. Le monsieur, la victime, mon oncle, il porte même mon nom d'ailleurs. En fait, je porte son nom. Je veux dire, Kelly Bessembe. Kelly Bessembe, Bato Basala, Atom Mobutu, Baye Biye. Baye Biye. Un arrêt, hein? Arrêt. Arrêt à court, l'obité, monsieur. Ndako le derrière. Bon, on va faire comment? Tolobani, un général de l'armée. Lundi, peut-être, ce qui m'a dit, il m'a dit, combo. Mais nous sommes confiants que, peut-être pas les lots, mais on est confiants que pendant ce mandat, on récupérera maison. Et Bandeko, tout le monde va récupérer Bandeko na Bango. Parce que ce temps-là est dépassé. Ce que nous avons tout le monde dans comment ils ont vécu, dans le cas illicite, il y a un modèle. Il y a un modèle qui est un peu plus grand. Il y a un modèle qui est un peu plus grand. Il y a un modèle qui est un peu plus grand. Il y a un bateau à l'État, il y a un confiscat et comment il y a Bango. Baboma Onatra, Baboma Régie des Eaux, Baboma INSS, Baboma Bilokona au profit na Bango Moko. Même Sonas. À un moment donné, les gens se disent non, trop c'est trop quand même. Voyez-vous? Trop c'est trop. Il faut changer de manière en ça, Likam. Ndeyangouana. Ba régie financière, et comment se cotise Mbongo? Une partie en Mbongo, et qui est financée par la partie politique. Il y a un moment là, c'est là qu'il y a un décret à Bouzoba, un décret à Patapounia,
pour les protéger Bango, Baïba Malamu, Bakota Bambou, la poche de Malamu. Je ne pensais pas qu'ils allaient répondre. On va nous répondre, on va communiquer, on va répondre. Parce qu'ils ont compris que, oh, mais le gars a frappé là où ça fait très mal. Non, cette histoire-là, il faut que ça s'arrête. Ce modèle de vie-là, il faut, comme on a niveau mobile, tout tikayango, tout accepter que ça, la Makambouya, bien. Tout accepter que pousser Makambouya, qu'il y ait le bosso. De façon que dans ce pays, que l'injustice ne soit pas impunie. Que l'injustice ne reste pas impunie. Il faudrait que l'injustice soit sanctionnée. Et en regardant l'état d'esprit de la nouvelle administration, c'est des gens, ben je ne vais pas dire des gens parce que je ne connais pas tout le monde, mais au moins dans les idées du chef de l'État, quand vous l'entendez parler, vous sentez que quelqu'un qui n'a pas besoin de l'injustice qui est régné. Mais il faut donc des mécanismes pour empêcher que l'injustice s'enracine. Il faudrait que Bato, Boto, Bango, Ndakou, Bango, récupérer Ango. Et moi, je peux vous le garantir, mesdames et messieurs, constituez-vous en partie civile. Bolembate. Onyo fabi ke baiba enba botola endako. Il suffit qu'on ait un document, que police ait un côté. Donc il y aura un moment donné, Bogoyo ka go et ko pesam. C'est déjà en train d'être mis en place. Il y a une commission, il y a Bilokoana et Efelema autour du chef de l'État. Moi, l'avantage que j'ai, c'est que je vous amène des informations claires. Il y a une commission auprès du chef de l'État, où il a créé pour nos causes, c'est la batoubanda kuna bango. Et le chef de l'État est d'accord dans le processus Souana. A tiki en entre les mains des juges. Ça veut dire ceci. Ndeko, oyebi ki ba botola ou lupang. Oyebi ki ba botola ou lupang. Oza na document original. Maman, oyebi ki ba bimisa ou libanda, ba botola ou lupang. Ngongawana ici est liquide déjà. On est dans un pays où maintenant nous allons célébrer la justice. Tout s'est constitué en bloc de façon que tango makambeko koma. Donc, nous avons présenté le document. Et beaucoup de parcelles sont généraux, les ministres, les bottes, les bangos. Parce que les parcelles sont bien mal acquis. On ne peut pas comprendre que la colonne qui est sous la belle étoile, il y a un loyer exorbitant. Et que parce que les profiteurs, qui ont un régime, il y a kleptocratie, il y a cacocratie, il y a inaptocratie, il y a un projet ontologique. C'est le moment. Mais comme on peut dire, il est temps que les généraux, les colonels, Bino ma PDG, bino ma ministre, on va vendre la banda kobato, à l'amiable, bo benga bato wana, ba kolonda kouana, bo discuter na bango. Soit bo sombi banda kuna bango officiellement, soit bo remettre bango banda kuna bango na pete. Parce que, bon le bate que tu bisaki binote, il y a une vague qui va vous humilier. La procédure qui est mise en marche est la procédure où il faut humilier bino et koutika la génération la génération. C'est le moment. Zala humble, on a qui message, yomo ko vande o bengi ba kolo lo pango. Obi bo bandeko. To bundi pe mingi, ça ne sert à rien. Nga ngi na besoin na ndako, na ngi na somba yango officiellement. Bo tiam na ndako na bino combien to teka yango. Bango ba ndi makoteka. Ce qui ba boy koteka ndeko otiki. Otiki parce que bino ko mu, elo ko mutu za sacré, et là divinement sacré. Ok, na ngoka bongo te. C'est le moment de nous dire des vérités et d'arranger les choses. Voilà un peu où on a dans le Batoulelo. Point de discorde dans Bango entre Bato Azul Gabaye. Parce que finalement, Bato et la Nini Bato en terre. Vous ne comprenez pas qu'il y a deux grandes forces qui se battent. Il y a des gens qui ne savent pas comment ça va se passer dans leur avenir parce qu'ils n'ont pas appris le métier. Bana Michala, Ebele Moussou Bana Michala te. Ebele Moussou Bana Bana Michala. Mais Baibi Keba Michala ou Bango Basali et Outi Namouna Mouibi. Or, tant que vous avez relâché Makambo, Nenge Batbazar relâché déjà Boué, et comme elle a compliqué l'oubi. Qu'est-ce qui va se passer pour eux? Baby qui va regarder dans l'anda bango. Ah, on est dans un hôtel. Na foutre banda côté ça fait ba butu ba na hôtel na bango. Ne ti va pas na biso Kadima. Il y a Béatrice hôtel. A foutre ka ba taxe na ba impôt na depuis ya banda hôtel na. A foutre ba taxe na ba impôt chaque fois. Il a un livret ou des preuves, il y a paiement na. Mais juste à côté de papa André, il y a d'autres messieurs. Je ne dis pas à côté en termes de géographie. Hein, non, il y a à côté en termes de Batou. Batou Moussou Batou dans un hôtel dans le Congo, il y a un taxe, il y a un impôt. Et parce qu'il y a un ministre, il y a un ministre. Il y a une recommandation, il y a une dérogation, il y a une dérogation. Et ça va faire 10 ans, ça va faire 6 ans, ça va faire 7 ans. Batou a un taxe, il y a un taxe, il y a un taxe. À un moment donné, trop, c'est trop. Donc, tant que vous avez une enquête, vous avez un bilan. Oh, bilan, il y a un taxe, monsieur. C'est l'élan d'entreprise. Et au footing, il y a 6 ans, il y a barrière. Et ceux qui ont foutu en côté, il y a un kangi, il y a l'État. On va aller dans ces conditions-là.
Si maintenant, on me dit, oh, il y a l'état des droits. Parce que Batouana, c'est un cauchemar pour eux. Mesdames et messieurs, l'état des droits est un cauchemar pour les dictateurs, pour les kleptocrates, pour les inaptes politiques. L'état des droits est un véritable cauchemar. Batouana, Bazola, la soute, jusqu'où ça va aller. Ils savent qu'ils ne peuvent pas dormir, ils ne peuvent pas compter. Ils savent que tout ce qu'ils ont dit, ça ne réussira pas. Nous avons atteint un point de non-retour. Félix Tshisekedi, en tant que président, lui aussi est coté, non? Il va être président de l'Union africaine en exercice dans peu de temps, il le sera. Il est lui aussi coté. Comment ça se passe? Et vous pensez qu'il va vouloir perdre des points parce qu'il veut satisfaire un groupe, inconscient, ingrat? Non, ça ne marchera pas comme ça. C'est pourquoi on avait dit, seule la repentance va vous sauver. Rendez le bien de l'État. Rendez le parcelle des gens. Rendez le bien d'autrui. Ce qui vous salit, en gros, vous pouvez coopérer avec la justice. Mais quand le moment viendra, il sera très dangereux. Une deuxième délégation de la CPI sera à Kinshasa la semaine prochaine. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Quelle a peur que nos esprits et que Dieu bénisse les RDC.